Salut à tous! Merci d'être là. Et ben comme vous pouvez le voir depuis pour ceux qui étaient là lors du premier stream sur Steep, et ben on s'est un petit peu professionnalisé, attention, il y a un overlay, il y a des super boutons sur la page Twitch, voilà, c'est la fête. Et ben du coup, bah, moi c'est Sylvain d'IGN France. Je vais vous présenter aujourd'hui Steep, la version finale sur PC. Alors je joue quand même à la manette parce que bon, c'est quand même un jeu de glisse. Donc voilà, c'est les premières minutes de l'aventure parce qu'on n'a pas, on l'a reçu assez tardivement. Et d'ailleurs c'est pour ça que les tests ne sont pas disponibles sur voilà nos conférences de jeux.com ou sur IGN. Donc du coup, voilà, vous inquiétez pas. Donc on va le découvrir ensemble. Donc là j'ai passé le tuto etc. C'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Donc on peut commencer. Je sais pas au niveau du son ça donne quoi. J'ai l'impression que c'est peut-être un peu fort par rapport à ma voix. N'hésitez pas à me le dire dans le chat. Et si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Hop là, juste baisser à 50%. Voilà. Voilà. Eh ben c'est parti, donc on va déjà commencer par un premier défi qui est facile, hein, parce que on va éviter de faire comme la dernière fois où on s'est un petit peu loupé. Et ben du coup voilà, ça va être dans un snowpark, je suis avec un snowboard, sachant que il y a différents sports, comme on peut le voir ici, donc il y a du snowboard, il y a du ski, il y a du wingsuit et du parapente. Ce qui est intéressant de constater, c'est que par rapport à la bêta, sur laquelle bah, justement on avait fait un premier live sur IGN, et ben, c'est qu'ils ont changé pas mal de petites choses au niveau du gameplay, notamment au niveau du ski, pour ceux qui rencontraient des difficultés à se retourner une fois qu'ils étaient en arrière, et ben maintenant ça a été en partie corrigé, même si c'est pas toujours trop évident. On a également le parapente qui a gagné en fait en clarté, notamment au niveau de la gestion de la vitesse. On le verra un petit peu plus tard dans ce stream. Et puis bah, le snowboard qui est beaucoup plus grand public, beaucoup plus dans l'esprit d'un SSX que dans la bêta, justement. D'ailleurs, on va le voir hein, parce que là, je vais essayer de faire quelques sauts et vous allez voir en fait que lorsque mon joueur va partir dans les airs et ensuite se reposer sur le sol. Et ben il va assez facilement retomber sur ses pattes. Hop là, donc on va commencer en snowboard, on va essayer de battre, bah ça c'est mon score de base, 1104. Je vais tenter de faire mieux, je suis pas certain de réussir, mais on va tenter quand même. Hop là, on se met en position de saut. Donc en fait, tout l'intérêt, tout le système de saut, lui, bah, reste le même. C'est-à-dire qu'il faut activer la gâchette pour sauter en fait au bon moment et ensuite enchaîner les sauts, les double flips, les triple flips, etc. Tout en réussissant à bien atterrir justement pour faire un maximum de points et réaliser des combos. Donc là par exemple je viens de louper le saut, c'est pas grave, je vais tenter quand même de faire un peu mieux. Ah, encore raté, donc on va recommencer. Et on va essayer de faire mieux. Si sur le chat, au niveau du son du jeu et du son de ma voix, c'est voilà, ma voix est peut-être pas assez forte, n'hésitez pas à me le dire. Et par ailleurs, pour ceux qui demandent sur les réseaux sociaux, y a un clone devant moi, c'est normal, c'est le mien. En gros, il me montre mon fantôme pour que je puisse voir que en fait, bah, je suis moins bon que mon fantôme. Et ça, c'est pas bien du tout. Hop là, donc là voilà, j'avais pas pris à cette vitesse. Donc du coup forcément, il a mal réagi. Ah, décidément. Alors, tac. Ah, mais c'est pas possible, il veut pas sauter. En plus, je vois mon fantôme mieux sauter que moi et ça va pas du tout. L'humiliation est encore plus grande. Décidément. Allez, on va quand même essayer. Là, on a fait un petit spin. Je vais pas y arriver. J'ai réussi depuis 1 heure à faire des super sauts. Et là, malheureusement, j'y arrive plus. C'est quand même dingue. Voilà, en fait, on va pas y arriver par rapport à ce stream, hein. Hop là. Voilà. L'honneur est sauf quand même. Alors là, on peut voir qu'il y a un autre joueur qui est lui de niveau 7 qui m'a rejoint, enfin qui est venu dans ma course. Donc à ce moment-là, en fait, je peux créer un regroupement pour justement créer un groupe et derrière lui faire profiter de mes challenges.
Alors attends, tac. On va quand même tenter autre chose. On va faire, par exemple, pour ceux qui se posent la question, hein, le domaine skiable est quand même extrêmement vaste. Donc là, moi, j'ai débloqué pour l'instant, il me semble, ces deux, ouais, quatre domaines skiables. En tout, il y en a sept dans mes souvenirs, dont le Mont Blanc, voilà, qu'on peut voir ici, hein. Mais bon, pour le faire, bah, j'ai pas le niveau, hein, encore. Il faut être niveau 23. Pareil, la difficulté des challenges est quand même assez élevée. Mais bon, on va tenter quand même d'aller le plus loin possible. Qu'est-ce qu'on va faire comme challenge? Alors, celui-là, c'est un camp de base, d'accord. Alors, les camps de base, pour rappel, hein, ça permet d'accéder à des challenges qui sont disséminés dans le monde. Parce que là, vous en voyez pas beaucoup des challenges, mais faut pas s'y fier dans la mesure où en fait vous allez en débloquer que ce soit lorsque vous allez monter en niveau, mais aussi explorer la carte librement. Et ben, ah bah tiens, ah moyen. Allez, on va tenter le défi Extreme Rider en wingsuit. Hop là, voilà, petit changement. On va juste se remettre à pied 5 secondes pour se rapprocher un petit peu du sol. Voilà, on se remet en wingsuit, tac. Allez, on va tenter. Ah bah tiens, je peux me regrouper. Est-ce qu'il va me J'ai rejoindre? essayé de trouver un nouveau spot pour la journée. Si t'as envie de venir Ah. avec moi. Je l'ai invité, tac. Eh ben, est-ce qu'il m'a rejoint? Ah bah non, il a déjà sauté, bah bien. Bravo. Hop là, allez, c'est parti. Donc le but ici, ça va être de faire un maximum de points. Et en wingsuit, pour faire un maximum de points, il faut prendre énormément de risques. Il faut se rapprocher du sol, il faut, voilà, il faut se rapprocher le plus possible des montagnes, justement pour créer un espèce de risque, un espèce de vent. Donc là, on peut voir d'ailleurs qu'il y a des petits à-coups. Donc je vais tenter quand même d'aller de passer à travers, sans pour autant me vautrer. Ouais. Bon, nouveau record personnel de 23 points, c'est un peu la loose quand même, hein. On va tenter de recommencer, tac. Faut juste en fait trouver. Ah bah tiens, au loin, c'est juste ça me permet déjà de voir un spot intéressant. C'est une drop zone. Dans le mille. Je me Donc demande cette si drop quelqu'un a zone, déjà en fait, découvert des nouveaux défis. elle me Au permet bah, revoir. déjà d'accéder à un autre pan de la montagne et derrière d'essayer de trouver des défis supplémentaires. Mais avant ça, on va quand même essayer l'Extreme Rider en essayant d'aller le plus près possible des montagnes. Voilà, vous voyez, dès que je commence à un peu longer, tac, les montagnes et le sol, eh ben, je gagne pas mal en de points. Voilà, comme on peut le voir, hein. Bon, alors évidemment, hein, je prends quand même pas mal de risques parce que si je me loupe, eh ben là, je suis obligé de recommencer. C'est pas comme le ski ou le snowboard. Ça nécessite quand même. Voilà, bah d'ailleurs, je me suis vautré en arrivant. Mais c'est pas grave, je suis quand même médaille de bronze. C'est plutôt cool. On va tenter la petite aiguille de peigne là-bas. Donc on peut rejoindre une drop zone directement en la filmant. Hop là, en appuyant sur commencer ici. Et on va essayer de trouver des challenges. Je pense que ça me paraît pas mal comme défi. Oula, non. Je vais pas aller là. Oh, quoique, pas mal aussi ici. Alors évidemment. Il faut quand même rester dans la neige parce que dès qu'on va au niveau des rochers, eh ben, on perd en fait de la vie, si vous préférez. Et du coup, bah, on tombe au bout d'un moment. Si la petite barre sur le côté se réduit à néant, eh ben, là, on tombe et du coup, on perd genre tout le combo qu'on a emmagasiné. On va tenter de trouver des challenges. En explorant un petit peu. Alors évidemment, lorsque vous explorez le jeu, vous pouvez tout à fait réaliser des points parce qu'en fait c'est de l'expérience et du coup ça vous permet tout simplement de gagner de l'expérience et de gagner des niveaux. Et du coup les niveaux vous permettent d'accéder à des défis encore plus difficiles. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça.
pas grand chose là quand même hein. J'ai pas l'impression. Ah voilà, c'est un petit peu plus bas quand même. Hop là. Essayer de faire un petit saut pour avoir un peu de points et profiter du x3. Ah, pas assez de vitesse. Alors là, pour ceux qui arrivent, eh ben, je vous rappelle que on cherche des défis supplémentaires parce que je suis parti d'une drop zone qui était vierge de tout défi. Et du coup, bah, on va essayer d'en débloquer d'autres. Hop là. Tout en profitant du x4 au niveau de l'expérience pour gagner en niveau. Hop là, on va aller là-bas. Salut, à très. Merci d'être là. Alors, j'aurais pu profiter d'un saut. Je vais y aller mollo quand même sur les rochers. Et ben voilà, je viens de débloquer un petit point d'intérêt sympa qui va peut-être me... Voilà, donc par exemple, ça montre bien hein, que j'ai un peu trop forcé sur la barre de vie et du coup, bah, je suis tombé, j'ai perdu tout mon multiplicateur d'expérience. Mais c'est plutôt pas mal parce que là, j'ai découvert en fait un snowpark qui est plutôt cool. Et justement, ça permet un petit peu de tester ses aptitudes de rider tout en se prenant un petit peu pour Tony Hawk, sachant que du coup là j'arrive au bout de la carte. Et donc du coup pareil, ils ont quand même pas mal amélioré le système d'arrêt, on s'arrête beaucoup plus facilement et justement ça nous permet en fait de repartir sur de la marche et de remonter beaucoup plus haut. Bon là c'est un peu trop long donc du coup je vais me rapprocher. Est-ce que je peux l'atteindre comme ça? Ah non. Bon, tant pis. Eh ben, je vais tenter la montgolfière là-haut. Est-ce que je peux l'atteindre? Ah bah non, niveau 15. Bon, c'est pas grave. On va aller directement en vue montagne. Ce sera plus simple. Donc voilà, moi, je viens de descendre toute cette partie-là. Là. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Freerider. Ah bah voilà, c'est cool. Je cherchais justement un spot pour pouvoir partir en parapente. Donc en fait, ce qui est plutôt cool, c'est que le parapente a été a bénéficié d'améliorations depuis la bêta. Il est beaucoup plus simple en fait au niveau du gameplay. Et puis en fait, on comprend un peu mieux comment gérer toute la partie liée au vent, comme on peut le voir. Hein, tac. Après, pour les cascades, c'est un tout petit peu moins évident. Surtout lorsque les défis sont basés sur les points et pas sur le temps. Là c'est un défi basé sur le temps. Donc bon, c'est pas trop grave si je fais pas trop de tricks. Alors n'hésitez pas si vous voulez me rejoindre dans ce type hein, si vous l'avez sur PC parce que du coup bah voilà, mon pseudo c'est Oyoel, O-Y-O-E-L. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est fait pour, on peut se rejoindre, on peut faire des défis ensemble. Donc là, typiquement, j'ai une drop zone à proximité. Mais bon, vu que je suis en parapente, je vais pas la faire tout de suite. Oula, oula, oula. Un peu trop devant là, hein. Ça va pas du tout. Bon, au moins, j'ai débloqué un point d'intérêt. Ouais, tac. On a évité de peu la montagne et donc l'humiliation, hein, faut quand même se le dire. Hop là. Bon, c'était pas top, mais au moins on a compris à peu près comment ça fonctionnait. Et puis en plus, je suis près d'une drop zone, donc si j'arrive à la voir de loin avec mes avec mes jumelles, je peux peut-être tenter de la rejoindre. Alors, où est-elle? On va prendre les jumelles.
Ah voilà, elle est là-bas. Ah, trop loin. Ouais. Eh ben, on va tenter de la rejoindre. Est-ce que je peux rejoindre un point pas trop trop loin? Je crois qu'il y avait quelque chose par ici, mais Allez, on va commencer sur ce ici camp on de est base là. sûr, je suis trop loin. On change la météo, évidemment. Et on repart. Alors, c'est pas mal ça. Dans quoi? Bon, je suis encore un C'est petit trop peu loin, loin. mais je vais tenter de. Faudrait que je me rapproche. Je vais me rapprocher comme le dit mon rider. Et puis, eh ben, c'est parti, je vais juste peut-être changer. Voilà, je vais prendre les skis. Comme ça, on verra autre chose. Là, non. Je sais pas si c'est une très bonne idée là ce que je suis en train de faire. Bon, bah j'ai quand même fait 1000 points en extrême, alors c'est plutôt pas mal. Mais bon, du coup, je suis quand même coincé. Allez, c'est parti. Là, hein, on essaye un peu de se bouger. Mais là, c'est quand même particulièrement dur parce qu'il y a beaucoup de rochers. Et donc forcément, bah là, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Ouais, et je vais pas pouvoir m'arrêter. En plus, je vais partir dans le décor. Ça va pas. Et on est sur quand même une grosse piste noire. Mais on va quand même essayer de se rapprocher un peu plus. Hop là, je vais changer, je vais me remettre en marche. Je vais partir par là. Voilà, là ça me paraît un peu plus soft au niveau du défi. Il y a moins de rochers. Allez, on se remet en snowboard et c'est parti, on va tenter de se rapprocher de ce point vert qui est là-bas, justement pour pouvoir le. Ah ben. Bon, et ben on va essayer de s'écraser là-bas. Hein. J'ai quand même réussi à parcourir 10 km tout en tombant. Et ça, je trouve que c'est quand même un beau défi. On a remporté au moins cette médaille-là. Bon, on va recommencer parce que là, c'est un peu ridicule. Allez, c'est parti. Ah bah tiens. Mais qui voilà? Ne serait-ce pas une autre drop zone là juste devant nous? Eh ben oui, c'est bien ça. Encore un. Et ben Allons voilà. tracer. Une belle drop zone. Et ben je vais commencer là justement pour pouvoir me rapprocher de la drop zone suivante. Et en plus, je suis passé niveau 3 et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Un petit saut là. Ouais. Ouais, là j'ai un peu trop abusé là. Hein. Tac, allez, on s'arrête. On a la drop zone juste devant nous. Et ben justement, elle est accessible avec les jumelles. Ce spot est incroyable. Je me demande quel genre de ride je vais me faire. Et on va partir à la recherche de ride, comme d'habitude. Hop là. On va faire un peu de hors-piste. Voilà une autre, décidément. Magnifique. C'est cool J'adore ça. déjà Ah, ce et puis spot. en plus, il y a un petit, Une vierge à tracer. y a un petit challenge. C'est un challenge pro rider. Donc 2 étoiles. C'est un peu compliqué, mais on va tenter de le faire. Allez, c'est parti. Ça nous fera un petit challenge chouette à effectuer. Et en plus, j'en ai débloqué d'autres. Donc c'est nickel. Allez, hop là, on va éviter les arbres.
Donc le but ici, voilà, c'est un défi de temps. Donc il faut à la fois faire attention aux arbres qui parsèment tout le parcours et éviter de voir sa barre, sa jauge d'endurance réduite à zéro. Et évidemment, si on loupe un des petits cercles, un des petits checkpoints, et bah forcément, et bah on perd la partie. Donc il faut recommencer. Hop là. Non, je ne veux pas le louper. Ah. Mince, allez, on recommence. On va tenter de faire mieux. Justement, pour les courses de checkpoint, même lorsque vous avez un chrono à battre, eh ben, il faut bien faire attention. N'hésitez pas à freiner. Ça prend vraiment, c'est l'objet que de quelques secondes. Et franchement, ce serait dommage de louper votre défi uniquement parce que vous n'avez pas voulu freiner et que vous avez voulu jouer un peu les marteaux sur glace. De toute façon, les riders qui nous accompagnent nous donnent un bon aperçu en fait de ce que le jeu attend de nous. Au niveau du challenge. Allez, on se relève, on se relève, on se relève, on se relève. On voit la médaille d'or nous passer sous le nez, mais alors, c'est le pire. C'est le pire. Allez, go! On va quand même tenter de battre la médaille d'argent. Oh, hop là. Quitte à une minute, ouais, ça devrait aller. T'es au top du top. Et voilà, médaille d'argent. Bon. Tout n'est pas acheté, quand même, dans cette course, même si je me suis vautré deux fois. Maintenant, ce que je vous propose, déjà, bon, on va se faire un petit replay, quand même, pour voir, pour apprendre de nos erreurs. Voilà, hein. Comme on peut voir, il y a pas mal de possibilités. En plus, on peut les partager. On peut utiliser la caméra GoPro. Justement pour pouvoir vivre intensément cette course. Parce qu'il me semble que le jeu est compatible VR. Alors, je ne sais pas si c'est déjà le cas. Il faudrait que je m'en renseigne. Mais voilà, en tout cas, ça donne quand même, j'imagine, de bonnes sensations avec un casque de réalité virtuelle. On peut évidemment accélérer le temps, mais aussi le ralentir, notamment pour essayer de prendre des screenshots, etc. Gérer des super vidéos pour ensuite les partager à ses amis. On peut également changer l'heure de la journée. Et puis, ce qu'on va faire, en fait, c'est que je vais vous montrer le système de personnalisation. Bon, là, on a l'écran d'accueil qui, justement, il nous montre notre niveau, d'une manière générale, dans les différents types de défis. Donc, on a les défis explorateurs, en fait, qui, c'est simplement, on part à la recherche de différents défis, des autres défis, évidemment, pro rider, rider extrême, et en même temps, on explore la map. Donc, du coup, voilà, au bout d'un moment, et ben, XP après XP, on va gagner des niveaux en exploration, et ça va nous permettre de débloquer encore davantage de spots. Voilà, donc après les free riders, rider extrême, à chaque fois c'est des niveaux supplémentaires de difficulté. Donc d'ailleurs on va voir que je vais passer bientôt un niveau supplémentaire dans le pro rider. Ce qui n'est pas si mal finalement, parce que je me considère pas comme un pro du jeu, ça c'est sûr. Comme vous avez d'ailleurs pu le constater pour ceux qui suivent ce stream depuis le début. Mais bon voilà, ça donne quand même, ça fait quand même plaisir. Ensuite on a toute la partie sociale qui permet en fait de créer son groupe. Et ensuite en fait d'inviter ces personnes à nous rejoindre dans le jeu et à jouer les défis qu'on aura créés au préalable. Voilà, bon ça c'est les infos du jeu. Ensuite on a le rider. Ce qui est pas mal en fait, c'est qu'on peut changer de rider à la volée. On n'a pas besoin voilà, de revenir à l'accueil, etc. Le seul petit défaut, et c'est ce que je disais pendant la bêta, c'est qu'on peut pas créer son propre rider, on est obligé de partir sur des riders existants. Donc là moi j'ai Sam Berger, ça se prononce comme ça, ou Sam Berger. On a aussi Kelly Walsh, Mason Taylor, Amy Gilmore, Jean-Luc Cassel, tiens ça, Cocorico, Rinko Kitano,
Billy Romero et enfin Ruben Bosman. Voilà, ah, il me plaît bien avec sa barbe. Je trouve que c'est plutôt pas mal. En fait, le jeu mise tout sur toute la partie personnalisation du rider. Donc, on va pouvoir personnaliser l'équipement. Voilà, que ça va de la tenue de wingsuit au ski en passant par le snowboard ainsi que la partie liée au parapente. Donc, ça peut être évidemment le parachute, mais aussi pour le wingsuit, l'autre parachute qui est un parachute un petit peu plus petit et plus long. On a aussi des gadgets. Bon, bah là, j'en ai pas, hein, je vous avouerai. Est-ce que j'en ai là? Ah, si, quand même. Alors, ah oui, c'est pas mal ça, un petit piolet justement. C'est des gadgets en fait qui vont s'afficher directement sur le rider. Et en plus de ça, on peut personnaliser jusqu'au manteau du rider et même le sac à dos. Et ça, c'est quand même cool. Alors évidemment, j'imagine que dans le futur, on va avoir pas mal de microtransactions avec des marques, peut-être justement des pas forcément d'ailleurs des microtransactions, mais des petits DLC gratuits pour profiter, je sais pas moi, d'une tête de Sam Fisher dans Splinter Cell, mais directement visible dans Steep, etc. Voilà, enfin, évidemment, je sais pas si c'est vrai, mais ça pourrait être plutôt cool. En tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas, me semble-t-il. On peut aussi arborer des costumes. Donc, comme on peut le voir, il y a un magnifique costume de girafe. Malheureusement, vraiment, je n'ai pas 36 000 crédits Steep et je suis vraiment déçu. Parce que j'aurais bien aimé l'acheter. On a aussi, voilà, Anna le panda, un néon vert. Alors ça, c'est plutôt pas mal, ces costumes-là, parce que en fait, lorsque le jeu est en pleine nuit, lorsqu'un défi ou lorsque vous choisissez que la météo se trouve en pleine nuit, et ben, on voit, il y a un effet justement lumineux sur le rider qui est vraiment très réussi. Alors, j'aimerais bien vous le montrer, mais malheureusement, je peux pas. J'ai pas d'argent pour l'instant. Je suis pauvre. Donc voilà, mais il y a quand même un petit mannequin de crash test accessible via l'Ubisoft Club. Voilà, c'est des crédits Uplay qu'on peut directement utiliser dans ce type de bonus. Et là, il y a même le Yeti blanc. Mais il faut que je termine l'histoire de la montagne des damnés, qui est en fait une zone un petit peu hantée, entre guillemets, qui est accessible à des niveaux beaucoup plus hauts. Voilà, bah, d'ailleurs, on a justement une boutique. Tac, ouais, effectivement. Eh oui, et j'aimerais bien. J'aimerais bien, notamment la petite licorne là à 40 000. Ah là là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Là, je vois que j'ai débloqué de nouveau ah oui, ce magnifique picture Igor Greenwhite, que je vais d'ailleurs équiper dès maintenant. Voilà, sur Ruben, mon nouveau meilleur ami. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'un casque? Non, il n'y a pas besoin de casque pour l'instant. On lui met un casque, vous pensez? Un petit casque Red Bull? Ouais, hein, parce que quand même on tombe beaucoup. Hein. Donc, ah non, quoique. Des écouteurs, c'est cool aussi. Hein. Ouais, ça fait vraiment dans le vent. Et en plus, on peut garder son super bonnet. Et bah parfait. On va pouvoir repartir. On va partir en vue montagne, justement. Et... Ah, je l'avais pas débloquée celle-là. Mince alors. Est-ce que je peux la débloquer d'ici? Ah bah oui, je peux la débloquer d'ici. Donc, hop là. Encore un spot génial découvert dans le fin fond de la montagne. Faut que j'aille observer le coin. Est-ce qu'on la tente? Est-ce qu'on la tente? Je vous le demande. Pour l'intérêt débloqué Air Park. Effectivement. Donc l'Air Park, allez, on va tenter, c'est parti. On va essayer de passer à travers les décors. Hop là, pop, hop, 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 et voilà. Oui, bon, bah non, d'accord. Mais j'ai quand même gagné 7 400 XP grâce à ce que je viens de faire à l'instant. Je me suis un petit peu loupé derrière, mais c'est pas grave, j'ai gagné 7 400 XP. Mais effectivement, ça demande du skill. Parce qu'il faut passer à travers les cercles. Et je suis pas sûr d'y arriver là, mon niveau de skill sur le wingsuit. Oh, on a réussi, on a réussi, on a réussi. Raté. Faux espoir, faux espoir. Bon, on va aborder ça, mais on va essayer de passer quand même à travers. C'est pas possible. 1000 G en durée dans le jeu. Tu m'étonnes, effectivement. Et là, bien KO là. Je pense, et d'ailleurs, il y a aussi des défis qui sont assez drôles dans ce type. C'est d'être KO
du coup, mais de se faire le plus mal possible. Et ça, en fait, notamment en wingsuit, c'est quand même ultra jouissif. Bon, c'est pas le cas ici, hein, en fait, je tombe, mais c'est vraiment involontaire de ma part. Bon, on va éviter de débloquer trop de succès liés au jet qu'on se prend dans la tête. Et on va tenter d'aller ailleurs. Alors... je vois qu'il y a pas mal de spots ici. Ah, ça c'est un facile. Et ben si c'est un facile, on va déjà juste débloquer quelques drop zones. Mais j'en suis encore beaucoup. Ah ouais, là je suis un peu trop loin là. Je suis un peu loin pour confirmer. Ouais, celle-ci aussi. Ça m'a l'air d'être un bon spot. Ouais, bon. On va tenter ça. Le score à battre est 200. Ça me paraît pas trop difficile. Je pense que d'ailleurs, je vais largement le dépasser rien qu'en passant à travers les montagnes. Donc, comme vous pouvez le voir... ah, comme vous pouvez le voir, je me suis loupé, mais j'ai quand même gagné 2024 points, ce qui est pas mal. Cela étant, est-ce que je vais quand même pouvoir me... ouais, non, je peux pas recommencer malheureusement, donc on va recommencer depuis le début, ce sera plus simple. Bon, sur le chat, si vous devez noter mes performances depuis... ça fait combien de temps qu'on stream? Depuis 35 minutes, quelle note vous me donneriez? Soyez sympa, hein, quand même. Essayez de mettre un peu plus de 5. Mettez la Selec, comme nos confrères de Gamekult. Ouais, non, là, c'était un peu trop, là. Là, je prenais un peu trop de risques, surtout que j'ai vraiment pas besoin, parce que la médaille de bronze est seulement à 200. Mais bon, le but, c'est quand même d'atteindre la médaille d'or, et je pense que la médaille d'or doit être à 1500. On va éviter de prendre trop de risques, parce qu'on est déjà à 1600. Donc bon, ça le fait quand même. Il faut que tu saches un truc. Level up, nickel. On vient de te confier les clés de ce que j'appelle le salon des cadres des sports extrêmes dans la région des Arabies. Seuls les meilleurs riders ont accès au sommet de la pointe percée. C'est un privilège. Médaille d'or, 4477. Nickel. On va continuer un tout petit peu pour profiter de la vue. Voilà. Tout en prenant quelques points. Bon bah non, hein. On profitera pas finalement. Oh, on peut profiter de la vue, hein. C'est pas mal quand il tombe. Hein. Bon, médaille d'or battue. Vraiment, ça c'est bien. Je dis bravo à mon rider. Alors, a priori, j'ai le droit à des nouveaux trucs. Donc on va y aller. Point de départ de Nantillon, ok. Alors là, un petit peu difficile quand même, hein. On le tente. Eh, mais c'est le même que... bah oui, c'est là où j'ai eu justement la médaille d'or. Et ici, je dois faire un freerider, ok. Bon, et eh ben allez, c'est parti pour un petit peu de freeride world tour à Jakku le Sautant. J'ai hâte d'entendre d'ailleurs nos confrères des GNUS nous parler des différentes pistes françaises avec leur magnifique accent anglais. Hop là, on va juste recommencer celui-là. Mais en tout cas, j'imagine qu'ils joueront mieux que moi. Parce que vraiment, là le niveau est quand même assez bas. Hein. Même avec... même si on est sympa, à un moment donné, il faut bien se l'avouer. Le skill, il est pas là. Quoi. Ouais, typiquement... j'ai été KO parce que j'ai pas voulu freiner à temps. Et ça, ça va pas du tout ça. Décidément, j'ai rebondi. C'est quand même beau quand même la physique dans ce jeu.
on peut rebondir contre les contre la roche. Alors, en plus c'est une médaille d'or, une médaille de bronze pardon, qui est accessible directement avec les points, donc il faut quand même que j'en fasse. Donc on va déjà tenter un premier saut par là. Hop là, bon, 191 points déjà. Ah ouais, effectivement c'est pas évident, hein, pas évident du tout. Hop là, bon, ça, ensuite. Ah! Ah bah non. Ah ouais, je me suis fait bien avoir là. Hein. Bien avoir. Allez, on est reparti. Ah, là, je loupe le saut. Ouais, non. On va tenter autre chose. Allez, on va tenter de le passer. Absolument génial. Ah oui, voilà, 1570. Attention, hop là. On va se calmer, on va y aller mollo. C'est pas le moment de se louper, on a la médaille de bronze. C'est déjà ça. Et un nouveau record personnel. Voilà, bravo à nous. Ah, mais on était encore trop loin de la médaille de bronze, apparemment. Voyons. Où on en était au niveau de la médaille de bronze? Ah oui, il fallait que je fasse au moins 2500 points. Ah bah oui, oui. Bon, allez, on va recommencer. On va tenter au moins la médaille de bronze. Sachant que c'est un défi moyen au niveau de la difficulté, donc forcément ça demande. On va quand même essayer de faire le petit saut du début. Ça demande quand même un peu d'entraînement. Ah mince, j'ai oublié de me redresser. C'est dommage quand même. Je vais pas réussir, j'ai quand même 58 points, c'est déjà ça. On va un poil ralentir, histoire de pouvoir arriver là-bas. Hop là. Hop 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 hop, allez, allez, ah, nickel. Ah, et à chaque fois hein. Je suis encore beaucoup trop loin des 2500 hein. On va donc recommencer. Tout en faisant le petit saut sur le côté. Mais pourquoi il le fait pas? C'est quand même bizarre. Ouais, c'est qu'en fait, je suis pas assez dans la pente. Donc du coup, il ne peut pas se jeter en arrière comme ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Mais en même temps, c'est pas évident. Ah! Là il y arrive alors que bon, j'ai envie de vous dire, c'était quand même un peu abusé. Ouais, là forcément. Et je pense que c'est pas mal comme ça. Allez hop. Parce que justement, je vais pouvoir... L'air est super pur. Ah mince, dommage, dommage. J'aurais pu l'avoir, mais j'ai pas assez ralenti.
Alors... Oh là, oh là, oh là. Oh là, mon garçon. Ouais, non, ça va pas du tout, ça. Quand je vous dis que, effectivement, ce type, c'est un jeu qui nécessite de l'entraînement, et ben, justement, j'en suis l'exemple parfait. Je manque d'entraînement, ça fait 2 semaines déjà que la bêta est terminée, et j'ai perdu une grande partie de... Une grande partie de mon talent. Enfin, en tout cas, un minimum. J'avais un peu de talent, quand même. Et là, force est de constater qu'il est plus là. Là, faut bien se l'avouer. Il faut bien se l'avouer. Bon, du coup, on va partir sur quelque chose un peu plus simple. On va partir de cette montagne-là. On va partir sur une autre, si j'arrive évidemment à l'atteindre. Ok. Alors, celui-ci... Allez, on va tenter celui-là. Les scores sont quand même un peu moins difficiles à atteindre. Et la piste a l'air encore plus sympa. Là, c'est un défi avec un temps et des checkpoints. Donc il faut que je les fasse. Donc j'ai pas le droit de m'attarder sur ce qui se passe autour de moi. Il faut que je passe rapidement au checkpoint en évitant les arbres si possible. Évidemment. Ça sert à rien de faire des figures inutiles parce qu'en plus ça nous ralentirait. J'ai un peu trop risqué, mais bon, a priori je distance un petit peu la médaille d'or, donc du coup ça devrait le faire. Je pense que ça devrait le faire, on est quand même très très large. Et voilà. Je me suis surpassé sur ce ride. Voilà, donc il vient de me dire qu'on s'était surpassé, mon rider. Donc je trouve que c'est vrai. C'est vrai. En plus, on a débloqué une hache. Donc on va aller la chercher. Alors, où est-ce qu'on l'a débloqué? Dans le matériel ou dans le goodies? Allez, on va prendre ça déjà. On va prendre un deuxième accessoire. Ouais, la fusée éclairante, c'est cool ça. Au niveau des outils, j'ai quoi à dispo là? Baudrier bleu, d'accord. GoPro Black. Ah oui, elle coûte cher la GoPro Black. Ah non, elle est déjà disponible, d'accord. Ah ok, donc j'ai une Hero 4, c'est pas mal effectivement. Pour ce qui est des stickers, et ben hop là, je vais choisir celui-ci. Et enfin celui-ci parce que je l'ai débloqué à la sueur de mon front. Au niveau des accessoires, ah ouais, c'est cool celui-ci. Médaille d'or dans le challenge Winterfall, une hache sur un crâne. Franchement, est-ce que on n'est pas magnifique? Je vous le demande, franchement, on est quand même. Ah, les skis sont cool. Je suis le roi du monde. Bon, et ben, je trouve qu'on a la classe. Faut bien l'admettre. Mais par contre, il faut trouver. Ah, elle est cool celle-ci. La GoPro Canopy. Et au niveau du ride, allez, on va prendre celui-ci. De toute façon, on va pas dépenser notre argent tout de suite, ça sert à rien. Bon, avec ce nouvel équipement qui est la classe, on va tenter de trouver un nouveau défi. Alors, dans les new défis là. Bon, non, ça on s'en fiche okay. Un peu. Sur ce coup-là, Salomon te met en équipe avec quelqu'un de chez eux. Je viens d'avoir une petite info qui devrait te donner le sourire.
Le type qui dirige la société iFlyer a des montgolfières dans toute la région auxquelles seuls les meilleurs du circuit peuvent avoir accès. Et tu viens d'être choisi. Ah, c'est sympa ça, je viens d'être choisi. D'aller essayer ça et de s'éclater un peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à votre avis? Est-ce que je l'ai fait celui-là? Snowpark. Ah non, je l'ai pas fait. Allez, on va le tenter, c'est parti. Avec ce splendide crâne défoncé. Ah bon, bah déjà, hein, déjà ça commence mal. On n'arrive pas à sauter sur le premier obstacle. Donc, on doit forcément recommencer. Ouais, bon, là, toujours pas, hein. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas sauter et partir en slide. Pourtant avec la manette je fais tout bien comme il faut. Il y a toujours encore des petits moments capricieux. Ok, d'accord, bah très bien. Voilà, donc là il veut alors que j'ai autant de vitesse que qu'une petite poule, donc ça, c'est un peu étrange. Toujours pas. Bon, je vais essayer de quand même faire un retourné. Allez, on va quand même tenter les 500 points, ce serait pas mal. Alors là, on a fait n'importe quoi, là. On a fait quand même encore plus n'importe quoi que il y a quelques minutes. Non, il veut toujours pas, il veut toujours pas. Hein. Ah non, là. Là, c'était un peu trop ambitieux, là. Je pense qu'en fait, je dois m'y prendre un poil mal. Parce que je dois pas sauter au bon endroit. Donc on va recommencer. Hop là. Ah bah voilà. Là c'est un petit peu mieux quand même. Bon là moins. Mais bon, on essaie quand même de faire un petit backflip. Voilà. En évitant de tomber. Je propose qu'on essaye en ski, ça sera peut-être un peu plus facile. Allez, c'est parti. Non, toujours pas. Alors, est-ce que c'est pas... En plus, mon perso est un peu dingue. Et donc, il se met à crier comme pas possible. En fait, je pense que je m'y prends mal. Ah.
Hop là. Bon, on s'est un petit peu loupé sur la fin, mais on a quand même gagné 460 points. Donc on devrait au moins avoir la médaille de bronze, je pense. Ouais, non. Enfin, on a la médaille de bronze, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on n'a pas la médaille du skill. Hein. Là, de ce côté-là... Bon, l'honneur est sauf. On a au moins la médaille de bronze. Et quand même, ce n'était pas facile. Hein, faut bien se l'avouer. On va tenter un autre défi. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est peut-être essayer de rejoindre cette... cette montgolfière là-haut, là. Ça me paraît pas mal. Parce que du coup... Ah, petite thématique. Je suis le showman, l'excentrique. Mes terres sont recouvertes de forêts sinueuses et de snowparks qui procurent des heures d'aventure et d'amusement. Tu vas rider sur les neiges de mon sommet et glissant comme un diamant sous les rayons du soleil. Je suis le cristal, je suis le cristal. On est de retour après cette petite cinématique. Moi, ce que je voulais déjà, en fait, c'est atteindre, voilà, ce fameux défi qui est là-haut. Qu'est-ce que c'est comme défi? Ok, on peut se servir d'une montgolfière pour survoler les Aravis. Ouais, mais non, mais moi, je veux juste faire un défi, en fait. Et puis, il y a une sorte de compétition informelle qui s'est mise en place avec les autres riders à chaque fois qu'une montgolfière est sortie. Voilà, c'est une compétition entre riders. Sans compter ce que tu vas pouvoir faire si tu t'attaques à certaines descentes de tueurs qui surplombent les snowparks et les villages d'en bas. Allez, amuse-toi bien. Je peux peut-être essayer d'atteindre des drop zones un peu... son équipe sont en train de préparer leur un peu lointaine, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, tiens, tac. Il a dit qu'il nous appellerait plus tard. Mais ses éclaireurs m'ont dit que les 5 spots qu'il avait retenus étaient parfaits. Allez, on va faire celui-ci, 250 points à battre. Et puis bah du coup, ça nous servira de conclusion à ce stream où le skill a été extrêmement extrêmement présent, comme d'habitude. Ah mais vous me demandez, hein, si vous avez besoin de conseils, si vous voulez savoir jouer, n'hésitez pas dans ce chat, je suis là pour ça. Je vais m'arrêter parce que juste en face, il y a une drop zone pas mal. Je vais aller là-bas. Je vais tout observer pour être sûr. Allez, de faire une on reprend. Complète. Bon, faudrait quand même faire des points parce que le but c'est de faire des points. Là, attention aux arbres. Hop là. C'est... Ah, c'est dommage. Dommage.
Dommage, dommage, on s'est pris un arbre, un petit arbre en plus, hein, on aurait pu le casser, mais non, 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 il a décidé de se le prendre. Mais c'est pas grave, parce que on a quand même la médaille de bronze, et c'était déjà ça, c'était ça le, notre objectif, je pense. Médaille de bronze, voilà. Bon, alors peut-être pas fier, faut pas pousser non plus, hein, mon cher Ryder, parce que voilà quoi, on s'est un peu loupé 2-3 fois, et je pense que vraiment, si vous nous regardez, vous avez le droit de vous moquer. Mais voilà, bon, bah du coup, je pense que sur cette sublime, je pense qu'on peut dire ça, hein, sur cette sublime médaille de bronze, le stream, et ben on peut l'arrêter là. On espère déjà que ce tout premier aperçu de la version finale vous a permis un peu, vous a convaincu peut-être. En tout cas, moi personnellement, je le suis pas mal parce que je trouve qu'il y a un vrai sentiment de liberté. Pour ceux qui justement vivent à côté des montagnes, c'est potentiellement le meilleur jeu qu'il vous faut en cette fin d'année. Et puis ça remplace SSX assez facilement. Donc franchement, ce serait dommage de passer à côté. Donc bah voilà, hein, c'était Steep, c'est dispo depuis aujourd'hui chez Ubisoft, c'est sur PC, Xbox One et PlayStation 4, et puis bah normalement la semaine prochaine il y aura le test disponible sur IGN France pour un peu faire le point sur tout ça. Je pense qu'on refera d'autres streams, j'espère que d'ici là j'aurai gagné en skill, je pourrai faire des défis beaucoup plus difficiles et surtout j'aurai augmenté suffisamment mon niveau pour aller encore plus loin et notamment essayer de toucher le Mont Blanc. Parce que vraiment, c'est mon principal défi, le Mont Blanc dans ce type. Voilà, et bah écoutez, merci beaucoup de votre venue sur ce stream. Et puis voilà, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures sur IGN France. Salut à tous.